mesdames et messieurs, et bienvenue pour le premier numéro de cette émission que vous allez adorer. Je suis sûr que vous serez scotchés à cette émission parce que ce sera une émission très spéciale. Vous allez vous enjailler, c'est le nom de l'émission, Enjaille-toi. Et pour ce premier numéro, je reçois des célébrités, pas des moindres. J'ai avec moi dans ce studio... Moi, c'est le Terminator à Bobolet. Comment tu vas, Bobolet? Oui, ça va très bien, mes fans, ça va. Grâce à Dieu, ça va. Ok, il est venu avec l'un des plus grands managers de la place, Monsieur Ben Fofana. Comment allez-vous? Oui, je vais très très bien. D'accord. Et bien sûr, pour ne pas rester seul avec ces messieurs, j'ai voulu une petite touche féminine et pas des moindres. L'une des plus belles jeunes dames, celle qui fait la promotion de la Forme Style avec nous. Bonjour Latifa. Bonjour cher auditeur. Et nous allons parler aussi de Arven Communication, l'un des partenaires de 3G Communication qui coproduit cette émission. Nous allons parler de l'actualité d'Abobolet et aussi de l'actualité de Latifa. Mais tout de suite, pour commencer déjà, nous allons soutirer quelques mots à Abobolet. Il paraît que tu viens de faire sortir un dernier... C'est un single ou bien c'est... Oui, je viens de faire sortir un dernier single qui est marqué le Moukala Dance. Le Moukala Dance. Voilà, c'est pour dire le petit... C'est pas ça encore. Il s'est réveillé encore, il est venu, c'est Gagamou. Eux, on peut, ils disent Gagamou là, les vrais Gagamou, le Terminator là, ils sont là. On est revenu encore avec une nouvelle danse, le Moukala. Les enfants de 5 ans... très mal, hein. Les enfants de 5 ans dansent ça. Donc les vieux là, essayez de danser. Et l'actualité du moment, c'est Latifa qui nous rejoint et qui prépare la sortie de la vidéo de Forme Style. N'est-ce pas? Oui. Alors Latifa, tu étais où? Tu étais un peu cachée, on t'a pas vu pendant un bout de temps. Oui, j'étais allée me ressourcer un peu dans mon village, à Korobo. D'accord. La Forme Style, c'est quoi? Ça parle des jeunes filles en forme, c'est bien ça? En forme, mignonne et stylée. En forme, mignonne et stylée, comme ça. D'accord. Et c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut que les jeunes filles aujourd'hui soient en forme, mignonnes et stylées. Non, je vais dire aux jeunes filles en forme, mignonnes et stylées, de s'assumer, de ne pas avoir de complexe, parce que quand on est en forme, il faut te créer un style et puis bon. Ah oui, il y a des filles en forme qui cherchent à maigrir. Voilà, c'est un peu complexé. Il y a des filles qui cherchent à grossir. C'est bizarre, on ne comprend pas cette affaire. Donc, voilà. Dans la chanson, je les encourage, quoi, les filles en forme. La Forme Style... qui a été arrangé, il faut le dire, par Aporture Strong, le grand Aporture. La programmation a été faite par Abdoul Fofana à Paris. À Paris, oui. Et Aporture a arrangé. C'est du costaud. Abobolet, tu es un super grand danseur. Terminator. Parce que tu es le chorégraphe de beaucoup d'artistes, c'est ce que les gens savent pas. Je ne veux pas reconnaître ces artistes-là. Ah bon? Qui par exemple? Je ne dis pas non. Non, faut dire. Parce que c'est une émission que... Aie pitié C'est pas bon. Bon, en fait, franchement... Mais tout le monde sait que tu l'as entendu. Faut dire. J'aime beaucoup d'artistes. En exclusivité, les noms des artistes... Il y a des concerts que j'ai aidé quand même. Il faudrait que je parle un peu. Le concert de DJ Mix, c'est moi qui ai monté la chorégraphie. Ah bon? Voilà, il y a des clips qui passent qui sont vraiment parfaits, c'est moi qui montre la chorégraphie. Bon, j'ai ces clips là. Un peu. Oh, et comment elle s'appelle? Bamba Misara. Bamba Misara. Voilà, il fait beaucoup pour les gens, il fait beaucoup. Mais il ne faut pas trop dire les noms parce qu'il y a des gens qui prennent ça en main. Tu parles avant les paroles après. Venez, on adore à Bobolet. Tu as commencé comme danseur, comment tu es arrivé à la musique? Franchement, moi, je ne sais même pas. J'étais danseur... C'est dans quelle année déjà que ça a commencé? Bon, moi, j'ai commencé très petit. J'ai commencé à danser à 5 ans. Il ne partait pas à l'école? Il ne partait pas à l'école. Ah bon? Au moment les gens vont à l'école... Tu es artiste! Au moment les gens vont à l'école, c'est là que tu viens dormir. Je suis venu à la nuit. Moi, on m'envoyait les cahiers à la maison. Voilà, bon, j'ai fait un peu des deux, j'ai partagé le corps, je faisais la danse, j'ai dansé avec Yodé, j'ai dansé avec Petit Demi, j'ai dansé avec pas mal d'artistes, Fitini, il y a la cité aujourd'hui là, Fitini, Zé Gazé, Jean-Jacques Wamé, Ronaldo R9, DJ Mix, c'est ce DJ Mix là, il dit c'est foutaise,
Moi, si elle chantait, et puis moi, elle met aussi à Bobolet. C'est comme ça, je suis rentré en studio. Et puis j'ai fait à Bobolet, on va décaler. Et bien, Yaza, ma Bobolet, comment Yaza, on va décaler. À Bobolet, on te compare quelquefois à Arafat. Arrêtez. Arafat, c'est Arafat. C'est vrai, c'est le même A, mais la terminaison n'est pas la même chose. Moi, ça a boublé. Mais quels sont tes liens, avec Arafat? On vous voit très souvent ensemble. C'est mon meilleur camarade. Ça veut dire que tu en parles avec des Bordeaux aussi? Moi, je ne suis pas dans les trucs là. Arafat, c'est mon camarade. Des Bordeaux, c'est mon camarade. Moi, je ne l'aime pas dedans. Hein. Tu es au milieu. Je ne l'aime pas dans le... Les gens veulent te mettre dedans. Les gens. Et ce sont les gens. On dit que tu es toujours à la fête, etc. Donc, ce monde de Bordeaux et toi, c'est pas le pied. Dans la vie même, là, vous savez, deux femmes peuvent marcher ensemble. Moi, je suis fan d'Arafat. Arafat est fan d'Abobolet. On peut s'accrocher quand même pour marcher, pour se donner plus d'idées. Si les autres ne viennent pas vers moi, je ne peux pas partir vers eux aussi. La Tifa, tu n'as pas de problème avec quelqu'un, hein? Non, pas du tout. Moi, je viens d'arriver, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais que Dieu touche leur cœur, pour que ces haches de guerre-là s'enterrent. Sinon, moi. Tant tu sais ce que tu souhaites. Il ne sait rien. Voilà. Arrêtez. Ok, merci à Bobolet. La Tifa, je disais que toi, tu t'entends bien avec pratiquement toutes les... On t'a vu récemment avec Chola. Oui. Pour un shooting et tout ça. Oui. C'est ta manière de voir un peu le showbiz. On doit s'aimer. Moi, je leur demande d'enterrer la hache de guerre, de faire la paix pour l'avancement de la musique ivoirienne. Moi, je viens d'arriver, je m'entends avec tout le monde. Et c'est ce qui est d'ailleurs mieux pour moi. Pour mieux avancer, il faut... Nous-mêmes, on veut s'entendre bien. Quand tu regardes, même, on a envie de s'entendre avec pour toi. Mieux avancer. Pour mieux avancer, il faut côtoyer les doyens, pouvoir pas faire déjà des palabres avec des gens. Donc, c'est ça. C'est mieux comme ça. À quand le grand concert d'Abou Boulay? Parce qu'on a vu DJ Mix aussi, hein, tout récemment. Ouais. Ne soyez pas pressés. Ça arrive. Mission complètement délirante. Hein. Moi, j'ai voulu faire quelque chose aujourd'hui, demander quelque chose à Bobolet et puis à Latifa, quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Je vais demander à Bobolet, de manière exceptionnelle, de chanter un morceau, mais pas lui-même son morceau, le morceau d'un autre artiste coupé décalé. Quel artiste tu choisis? Si je prends Arafat, c'est mon camarade. Bon, je prends quelqu'un d'autre. Ma copine est pata, 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 son mari est garou. Avec tout le monde. Ma copine est pata, 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 son mari est garou. Vous ne laissez pas gawa, si tu joues, je veux te Moi, ce morceau, franchement, j'adore, j'aime. Mais c'est Yorobo. J'adore, hein, d'accord. Ok, il faut dire que c'est le dernier de. Comment il s'appelle? Eskeli. Là, c'est le morceau de Eskeli, ça me plaît bien. Mais Yorobo, c'est un morceau qui me plaît aussi bien. Mais Eskeli. Tu n'as vraiment pas envie que Yorobo te fasse pas là, ben. Je te sens depuis en train de. Non, c'est pas fait de pas là. C'est que si on dit de chanter, musique puis chanter, c'est pas. Si je fais là, on dit non, il y a fait des trucs ici. Ok. Latifa, toi, il y a une artiste dont tu voudrais bien chanter le morceau. Ben, Soumbil. Un artiste. Oui. Quel morceau de Soumbil? Moi, j'adore Soumbil aussi. Je connais pas le titre, mais le morceau dit Bébé, toi. Ah oui, bébé, le morceau de Soumbil, je crois. Allez, on écoute Latifa. Je vous présente Latifa Soumbil. Bébé, toi et moi pour la vie. Ok. Bébé, toi et moi Alors, ça va aller. Il faut pas la toi, tu es toujours avec les gens. Ce matin, tu dis de chanter. Tu sais chanter chanson de parce que tu es avec les Bailly, tu es avec Abobolet. Tu vas chanter le morceau d'Abobolet. Non, let's go, je vais chanter.
Là, il est là. Et là, j'ai dit, mais je suis moi-même, je suis reggaeman. Ah, tu as tes propres compositions. Je suis reggaeman. C'est super ça. Bon, d'abord, toi, tu vas nous faire deux chansons. Tu vas faire un bout de ton reggae et puis un petit peu d'un bobolet. Mais à bobolet, là, donc si tu chantes pas bien sa chanson, il va te. Il va lui faire les moins. Ah, on écoute. Ok. Quel est ça? Quel est? Quel est? C'est le micro. Si vous voulez la vidéo, la quel est ça? Quel est? Je demande ça. Quel est? Quel est? Quel est ça? Quel est? Quel est? Je demande ça. Quel est? Quel est? Heureusement qu'on n'a pas envie de faire la chorégraphie aussi. Ok, super. Et ton reggae dont tu nous as parlé? Le reggae, voilà, le reggae. Inspiration. En reggae là, franchement, j'aime une personne, je viens t'aider. Okay. Ils ont partagé le mot. Plus rien de métal. Plus rien de métal. Plus rien de métal. Qu'est-ce qui nous arrive là? Ils ont partagé la fraîche. On fait pas de politique. On fait pas de politique ici. Et il s'étonne. Là. Que nous soyons désunis. Une partie pour un bobo. Eh, c'est pas pour un bobo, hein. Le parti pour la diva. Just have a good time, yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo!